C'est vraiment cette zone-là où c'est. Parce que sinon, quoi. En fait, la zone d'après, elle change pas. La zone encore après, elle change pas. Et la zone encore après, elle change pas par rapport au bossise. Parce qu'il n'y a pas de boss optionnel. Celle-là, en fait, il y a deux boss optionnels. Et du coup, il y a une route. Ouais, on va dire vraiment labyrinthique, quoi. J'ai fait quoi là? New Game Plus, non? Enfin, New Game? Du coup, je m'excuse encore. Je pensais que la map allait être beaucoup plus simple à retenir. Disons qu'il y a ma mémoire qui contredit mon instinct et mémoire musculaire, donc en fait c'est vraiment pas pratique. Et là-dessus, du coup, voilà. Enfin, moins on revoit le début passionnant avec du dupe items. On a une mauvaise range. En général, je trouve que t'es pas très sympa. Tu es médisant. C'est pas comme si je faisais ça à chaque fois. Jamais. Comment ça? J'en ai marre de voir un masque se tomber quand ils font 3 mètres. Quoi? Soit j'ai raté un truc, soit je comprends, j'ai juste rien compris. Genre le rose que je t'avais montré la dernière fois. Ah! Ça me dit un truc. Tu parles de sur Paper Mario ou juste un truc que tu m'avais envoyé? Ouais, sur Paper Mario, ok. Non, c'est. Je vois. Ouais, en fait, on est 10%, j'ai moins de trucs à vendre. Ah non, mais.
En fait, en 8%, on a vraiment rien. Normalement, j'ai rien à vendre, en fait. Enfin, quasi. Oh merde. J'ai du retard parce que je me suis mal mis sur le cercle. En fait, ouais, j'ai. Normalement, je vends 8 rubis et c'est bon. Ok, c'est bon, le diamant, j'avais peur qu'il soit mal mis. Donc je le monte du doigt, bah même. C'est pas bien de montrer les gens du doigt. Tu le sais. Oui. C'est un autre concept. Non, c'est pas les avocats qui sont mal polis, c'est Essetorni qui est mal poli. Clairement. On gueule pas objection comme ça en plein tribunal. Hein. Il est fou. Voilà, ça je me tape pas la recovery super longue de ce coup, mais bon. La cinématique, les méchants, c'est les méchants, c'est eux, ils sont méchants. Oh, c'est roule. Faut qu'ils arrêtent. Hein. Et soit il se protège, soit il. Ouais, ça gros. Soit il se protège, soit il me balance des trucs en pierre à la con. Là. Voilà. Je suis content parce que du coup, la pumpkin là, que j'ai balancé la cancel sur son coup. Sinon, il m'aurait fait tomber par terre. Donc, j'aurais pas pu l'enchaîner autant. Bon, bah, c'est le passage un peu relou. Le zircon qu'il faut pas prendre. Près en vrai tu ramasses tout seul. Ah, il en restait un. On prend une potion mais bon. Allez, venez là. Oh yes. J'ai mis un coup de trop mais vu que j'avais pas touché le premier, j'étais pas sûr de mettre les dégâts qu'il fallait. Mais là ouais, tuer les deux en même temps c'est une bonne un bon gain de temps. Après, faut que les autres salles soient bien, et sinon c'est un goal du coup. Ok, genre elle est pas bien pour l'instant. En plus, il se barre, ouais. J'ai pas eu de chance, il s'est barré à l'opposé. Ah, la 3D et les baits, c'est génial. Ouais. Ouais, je vais essayer de pas faire de la merde comme là tout à l'heure, mais. Ouais. J'ai du temps à gagner, je sais à peu près où. 1, 2, 3, hop, hop. Et là, c'est cool, on va faire un sub 9 minutes. Voilà, même Walter, il est choqué. Choqué de cette performance.
Hop. Et hop, j'ai fini le menuing à temps. C'est parfait. Bon, les chiens qui m'ont un peu bloqué. Oh là, il fait peur lui. C'est bien, je l'ai fait d'un ton sarcastique alors que. Alors que c'est vrai, il m'a vraiment fait peur. Alors, on expédie ça vite fait, bien fait. Ah, j'aurais dû le faire plutôt le rubis. Tant pis. On n'a pas encore utilisé le diamant parce qu'on a récupéré les HP avec le saphir du coup. Mais ouais, après en même temps au niveau mana on en a pas besoin. J'espère avoir une bonne RNG sur le boss. Ce serait bien de faire un sub 12 sur le boss. Avec l'avance qu'on a normalement ça devrait aller, mais il faudrait avoir la même RNG que la dernière fois. Alors ce qui est bien avec le mode pumpkin, c'est que les transitions de portes, elles sont bah, elles sont pas toutes pareilles quoi. Alors qu'avec le mode Léon ou Joachim, c'est tout le temps pareil. Du coup, je trouve ça marrant. Oh bah, moi tu m'offres la victoire sur un plateau d'argent là. Ça va pas bouger là. Donc là caméra, je peux le refaire. Ouais. Hop là. Ouais, mémoire le ticket, on va se mettre là pour être pile pour en dessous. Et là c'est un gros gold normalement. Quoique gros, je sais pas trop. Oh c'est un bon gold, voilà. Ouais c'est un bon gold. Hop. Désolé. Hop, on équipe ça. Et là je prends ma map. Pas comme la dernière fois où j'avais oublié. Voilà, même si du coup je sais maintenant, c'est droite, gauche. Après le levier, on verra en arrière. On va à la salle où il y a la commune d'Arsoul là. Cette salle c'est la plus chiante de la zone. La plupart du temps, c'est en fait cet endroit-là. L'avantage, c'est que du coup, on a des zones sont facilement les clean avec avec un rubis. Pas celle-là. Celle-là, c'est vraiment la seule. Ouais, il fait. Mais non, si, il fait pouic pouic. Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai peur. J'ai un. Ouh là là. Ok, c'est bon. J'avais un trou de mémoire, je me souvenais plus où j'étais. Attends, j'ai eu un blanc là. J'ai eu un bug cerveau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'avoue que ce serait cool de sub 20.
sur de gros sub 20 sur le boss. Très très simple hein, ce... gauche, ok, gauche. Gauche, on aura une salle, je me rappelle plus exactement cette salle, je suis pas habitué. Donc. Qu'est-ce qui se passe? Allez! Putain, celle-là est assez relou. Si je me gourre pas le cycle de hache, dans tous les cas à droite et à gauche il y a un truc avec des haches. Le cycle de hache à gauche là est plus simple. Ah et en plus oui la caméra elle s'y prête. Ouais, j'ai utilisé deux rubis, j'aurais peut-être pas dû. Là on doit aller au fond à gauche. Ah putain, hitbox elle est énorme. Avec là la petite commune soul là pour nous. Super, je fais des perfects, j'en ai même pas besoin. J'ai pas besoin de mana, sérieux. Alors malheureusement on peut pas. Voilà, j'ai déjà essayé de faire vite le ticket, mais en fait il se fait cancel et je me dis que si je suis encore plus rapide, ça se trouve le mécanisme s'active pas. Hein. Donc ça me fait un peu peur. Donc je tente pas le diable. Voilà. Là par exemple ça c'est le genre de gain de temps dont je parlais, même si j'ai ouvert mon menu un peu trop tôt. En fait c'est ça, c'est ouvrir son menu et l'organiser en plein air, dans les endroits où tu peux pas bouger et t'attends un truc. Alors ça permet de faire les dash en plus. Donc le perfect on gagne. Non non le perfect fait gagner de la mana. Il fait gagner de la mana. Enfin le perfect fait gagner de la mana. Bloquer les trucs roses de base, ça donne de la mana. Mais et perfect un truc rose, ça donne encore plus de mana. Mais là j'étais full donc on s'en fout. Clairement. Oh non. Je sais pas pourquoi ils ont pris autant de temps à spawn. Oui c'est pas Curse of Darkness. C'est pas grave. Bon après au niveau des rubis on s'en fout en fait. Les rubis ça va, on en a assez pour le boss. Bon, bah pas d'un cycle du coup. Tant pis. Je l'ai bolos, hein, mais... Je l'ai vraiment bolos. Et... Ah merde, bon, bah pas de sub 19 du coup, mais... Je l'ai vraiment bolos. Hein.
Pas de sub-19. Pas de sub-19 du coup, ouais, sur le boss. Mais par contre, putain, le gain de temps, il est énorme. Là, on est sur vraiment un bolossage qui a été vénère. Et du coup, hop. Voilà, bon là, on va pas dash, ça sert à rien. Je mets quand même mes notes. Et en fait, la zone, elle est quand même assez free. Elle demande pas énormément de rubis. Ouais, en fait, il n'y a pas de salle ici. Pas beaucoup de salles où il y a des. Enfin, qui se ferment comme ça avec beaucoup d'ennemis et tout. Surtout de la marche. Ouais, c'est bon, je vais tous tuer. Je prends un peu mon temps pour qu'ils spawnent tous en fait. Ah merde, oh je me suis gouré. C'est la prochaine salle comme ça en fait qui est. Voilà, c'est celle-là. Celle-là où il y a du fight. Je me suis embrouillé. Et du coup, on va commencer à utiliser beaucoup les diamants pour les cœurs aussi. Parce que ben, on a besoin des cœurs pour faire des dashs. Et donc voilà le Pampa, là, le fameux dash dont je te parlais. Merde, c'est pas passé la plateforme. Voilà. Oh, putain, il a fait un mouvement bizarre, mais c'est pas grave. Donc là, fallait attendre que tous les ennemis spawnent. Ils spawnent bien correctement avant de pouvoir les tuer. Hop là, on fait ça. Je vais faire un dash. Je suis assez loin pour. Voilà, pour que ça soit worse. Réussi à me caler dans la porte. Dommage. En tout cas le jeu là de. Enfin le jeu de base. Enfin, ou même en pumpkin, pas forcément. Enfin en gros pas forcément en spawn quoi. Il est vraiment très sympa. Il est vraiment bien. Je le conseille. Je vous le conseille. Par contre, ouais, c'est fou. En fait, j'ai l'impression qu'on peut faire un combo infini, quasi infini sur Joachim, mais. En tout cas, là, j'avais réussi à faire ça.
On va faire ça. On va faire ça. On va déjà s'équiper le Mineral Ticket parce que du coup là. J'étais bloqué dans cette pile, dommage. J'aurais pu gagner beaucoup de temps. On va réussir un diamant pour les cœurs, histoire de. Normalement, c'est là. Voilà. On a le sub 25, là, c'est bien. Je suis plus rapide en termes de menuing. Merde. Putain, on est obligé de prendre la carte, c'est relou. Je me suis dit, ah tiens, cool, on passe par derrière, on n'a pas besoin de se taper l'animation de la carte, mais non. Non, on a besoin. Voilà, maintenant que je sais qu'on doit faire un dash ici. Bon, en fait, là, ça sert à rien de faire un dash. On va y aller on va y aller au fouet. En fait, on aura besoin du rubis. On aura besoin du rubis pour le boss de fin. Parce qu'en fait, il y a un première phase, on va dire c'est un ennemi multiple et du coup le rubis ça va permettre de d'infliger énormément de dégâts à toutes les parties, aux quatre parties qu'on doit tuer en même temps. Du coup, déjà on va les tuer les quatre en même temps là, les parties. Et du coup, ce fait que vu qu'elles sont assez éloignées, normalement on doit les taper une par une quoi. Mais on n'aura pas besoin. Un peu plus rapide là-dessus. Je finis tous mes dashs pour passer ce couloir. Et après, hop, diamant. En fait, le diamant full recover. Donc en fait, si on l'utilise alors qu'on a encore des cœurs, c'est un peu des diamants gâchés. Enfin, ouais, une partie du diamant qui est gâchée. Putain, je suis pas assez rapide. Deuxième interrupteur. Ouais, bah là, oui. Je suis plus. Je suis plus réveillé. Par contre, ça peut te choquer. Hein. Rien que déjà sur le speed qui s'appelle. On le voit pas là, mais c'est juste après en plus. Hein. Le speed en fait qui s'appelle. Alors, hop. Ok, donc j'ai encore pile poil assez de rubis en fait. À chaque fois je m'en étonne alors que maintenant c'est juste que je fais toujours le même truc quoi. C'est le nombre de rubis qu'il faut que j'utilise quoi. Car on va bientôt passer en split et vous allez voir le truc Golden Ball. Le truc c'est que. Il y a un passage où en fait on peut se faire totalement niquer. Voilà, j'ai pas réussi à dash. On peut se faire vraiment totalement niquer. Bon, dommage. Bon, tant pis plutôt. Et on peut perdre pas mal de temps. Donc voilà. Porte qui s'ouvre. Euh...
Putain, ouais. Ce split là, si je veux gold, faut vraiment que j'arrive à bien dash, à optimiser en fait quand je dash et tout, c'est pas un split facile à gold. Ou même à vert, enfin à faire un vert. Hein. Pour le temps, je fais soit un petit vert de 1 seconde, soit soit un rouge de 1 seconde, ce genre de truc, quoi. Il n'y a pas de gros problèmes qui peuvent arriver, mais en même temps il n'y a pas de gros trucs. En mode si tu le réussis, voilà. Putain de merde. Putain, ouais. Pas relou ça. Hop, on réussit un diamant maintenant. On va essayer saphir, saphir. Merde, il y en a un qui en a échappé, qui l'a échappé. Non. Ouais, c'est bon. Ok. J'ai aussi, oui. Ça par exemple, je peux améliorer. Voilà, j'avais raté ce saut là pour sauter sur l'interrupteur, je m'y étais pris à 4 fois. Chaque fois je passais trop loin ou alors c'était pas loin. De quoi? Osef des golds on duplique? Comment ça? Ah oui! Non non mais il parlait des gold split hein. T'inquiète. Mais ouais, sinon, ouais, carrément. Le truc le plus efficace, c'est dupliquer le diamant, vendre et le vendre, quoi. Enfin, en vendre 8. C'est vraiment le truc le plus efficace. Hein. Ça, c'est bon. Merde. Putain, en plus on a pile poil à 7 coeurs. Non, non, non. Chier, voilà, je me suis précipité. On a perdu du temps. Mais non, mais par contre là c'est abusé. C'est quoi cette hitbox de chiottes là? Eh oh. Le machin il passe clairement derrière et... Ah, du coup le cycle est totalement décalé. Merde. Putain. Ah c'est là, j'ai pas eu de chance. Et mon PC qui a fait du bruit. Mais genre du bruit en mode, mec, je souffre. Moi ça me... Oui, ça fait... C'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est la deuxième fois. Ah putain, il s'est TP. J'ai l'impression que je peux même pas le faire en 2 cycles en fait. Voilà, hop, on fait ça. On remet l'herbe machin. PC qui a fait un... Non non ça venait pas de... ça venait pas de chez toi, moi c'est mon jeu qui a freeze. Hein. Enfin je veux dire vous m'entendiez encore et... Ouais bon je perds du temps du coup. Hé, j'ai split avant de... Avant de prendre l'orbe, je pensais que j'étais en dessous. Ouais par contre... Non, par contre, c'est relou là, le truc où j'ai baigné sur les lasers là avec la hitbox un peu foireuse. Ça me fait un peu chier. Ouais, fake split, mais on s'en fout en fait. Bref.
Faudrait que je vois si mes... Normalement j'avais fait de la place dans mes disques récemment, donc pas de problème. Putain, j'oublie toujours mes notes. Les swaps. Voilà. Même si cet endroit, je commence à le connaître un peu par cœur. Le chemin de cet endroit est pas très compliqué. Mais par contre, ouais, il est. Enfin, cet endroit est labyrinthique. Ça, c'est sûr. Même si, quand tu connais après, c'est très facile de connaître. Même maintenant que je connais bien, je suis toujours pas très sûr. C'est bien ça. Bravo Nils. J'arrive toujours pas à trouver le bon cycle. Mais je regarde ce qu'ils font les autres. Oh, agaçant. Rendez-moi mes HP. Donc là, vous voyez bien que j'ai vraiment peu d'HP parce que vu comment on voit la différence entre le avant-après, alors que je récupère 8 HP, c'est pas mon signe. Il y en a un autre. Chier. Il a du spawn après ce con. Bon. On reste toujours avec de l'avant, avec une très bonne avance, donc ça c'est cool. Ouais. Oh, j'ai réussi à. Merde. Je sens con. Je me sens con. Ouais, la jauge est très petite. Hein. Super. Oh non, mais non, fail comme ça, non. Ok, attendez, attendez. La 3D est un peu horrible. Hein. Autant de temps là comme ça parce que je l'avais bien fait en fait sur la run de tout à l'heure, donc forcément quand on fait un truc très bien sur une run, sur un premier, après c'est plus dur de faire un bon truc sur les prochaines. Alors là c'est là où je dois faire super gaffe. Voilà. En fait, si je le passe pas, du coup le laser me repousse en arrière. Et il peut me repousser dans un angle. On va dire improbable, voilà. Vraiment angle improbable, je pense que c'est le bon terme.
Bah, je suis en ce boss. Il a été un peu. Ouais. Pas été coopératif, je dirais. Et là, on va perdre un peu de temps. Et... Ah, dommage, j'aurais pu faire un sub 40 sur le. Ouais, bon, il a pas été coopératif. Hein. Il n'avait pas été coopératif, donc c'est un peu chiant. Bon, là, en fait, c'est normal que dès la deuxième run, je fasse déjà des rouges, parce que... Et disons que là, le... Enfin... Je suis déjà à peu près... Je fais des trucs à peu près au niveau de ce que je fais sur mon All Bosses. Et du coup, je commençais à avoir des trucs vraiment très peu perfectibles, quoi. Donc forcément... Ça fait des rouges. Bon, tant pis. Hein. Je suis parti en diagonale, du coup je suis les escaliers. Normalement, je ne les suis pas, mais là. Voilà. Et hop. Ah oui. Non. Génial, je perds du temps là-dessus. En fait, vaut mieux que je le fasse avant plutôt que pendant le fight, sinon ça va être un peu casse-couille. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas fait mon infini de combo là. Allô? Mais pourquoi il n'y a aucun de mes coups qui touche? Alors, moi, je suis content qu'il se fasse toucher par le. D'accord. Donc là, en fait, juste... je mâchais dessus. Clairement, là, le jeu mâchait dessus. Ok. Là, hop. Ouais, un perso d'animé, machin. En fait, c'est le doppelganger du perso de base, quoi. Voilà. Faut tout savoir. Et là, déjà, on va essayer de pas faire d'erreur, parce que il y a une erreur possible, c'est que j'oublie de la retourner, la tablette, donc je vais essayer de pas l'oublier. Normalement, ça devrait être bon. Et d'autres trucs. Et après, faut que je le fasse, faut que je fasse ça rapidement, et on peut gagner du temps. Voilà, super, mauvais dash. Là, je suis obligé de sauvegarder. Clairement. Ouais, en fait, je vais essayer de gagner du temps, je vais surtout essayer de ne pas en perdre, en fait. Parce qu'à cet endroit-là, je sais qu'on peut en perdre. Beaucoup. Hop, on re... Putain. Il a... Voilà, il manquait un coup. Il a pas pris le dernier en fait, le dernier hit. Donc là-dessus, j'ai pas eu de chance. Ok, si la gargouille elle me fait trop chier, je vais perdre beaucoup de temps. Ça a l'air d'aller. Et pas trop rouillé. Voilà, clairement. Clairement, je bourrine.
comme un sac. Ok, faut que je pense à retourner la tablette. Hop, je fais mon wing pendant que j'attends qu'il y ait la cinématique du coup. Parfait. Ta ligne de chou, putain. Pampa, pampa. Ouais. Non, c'est pas grave, ne t'excuse pas. Je suis habitué avec, avec Général. Non, ça fait marrer. Mais. Ça peut être utile. Le rubis, ça peut être utile sur le boss de fin si genre, il est trop loin et il se TP genre à quelques HP là. Histoire que je le finisse facilement. Sur le diamant, après, c'est le truc le plus utile. Les blagues de Lord. Je connais pas. Enfin, en tout cas, le Lord là, comme ça me dit rien. Ah, Lord Ephraim, ok, d'accord, bien sûr. Oui, bon, c'est vrai que vous êtes pas. Bon, après, c'est des blagues de merde, mais ça fait rire, quoi. Bon, allez. Sa PB là. De quoi? Attends quoi? J'ai perdu le fil avec vos conneries. S'en fout. Voilà. Le but c'est de le taper au moins une fois avant qu'il se TP en fait. Ok, j'ai pas eu de chance. Ok, là c'est bon. Putain, il a pas deux fois d'affilée qu'il prend pas le stun. En fait, je maintiens le combo, mais il prend pas le stun. Bon, très bon Walter. Hein. Je vais me barrer. Tempest.
Allez hop. Allez. Combien? Non! Ah, c'est une blague, putain.